plan bouge pas. Bon. Je m'occupe des clients, tu t'occupes du directeur. Si les menaces donnent rien, fais ce qu'il faut. Il garde les clés sur lui. Si un guichetier déclenche l'alarme, on a combien de temps? 5 minutes. Peut-être plus, avant qu'il réplique. Et si ça part en couille? Tom, je suis très sérieux, là. Si t'entends des coups de feu, ne remonte pas. Tu t'occupes du fric. Point barre. Alors, on le fait? Ouais, on le fait. Je veux voir tout le monde par terre! À terre, putain! Pas vous, mesdames. Bougez pas, que je puisse vous admirer. Le premier qui bouge, je le plombe! Va chercher le directeur. Vous allez tous gentiment rester à terre. Si j'en vois un qui bouge, on ouvre le feu. J'imagine que tout le monde a envie de rentrer en un seul morceau ce soir à la maison. Pas vrai? Jouez pas aux héros. C'est pas le jour. On n'est pas là pour déconner, c'est bien clair? Qu'est-ce que tu fabriques? Relâchez-nous! On ne dira rien! Tu viens avec moi. On va au coffre. Je ferai ce que vous voulez. Pas besoin d'être violent. Hé, arrête de bouger. Tu me rends nerveux. Quand je deviens nerveux, je contrôle plus mes doigts. Allez, avance. Vous vous sentez fort, hein? À frapper plus petit que vous. Non, je me sens riche. Et le plus petit que moi ferme sa gueule s'il veut pas prendre une balle. Vous pourrez repartir. C'est bientôt fini. Combien de gardiens au coffre? Un seul. Il est armé? Je sais pas. Si je vois un flingue, je tire. Donc tu lui dis de pas faire de conneries. Ça dépend que de toi. Le directeur est sympa, il coopère. Tout le monde obéit gentiment. Pas vrai, mon pote? Allez, avance! Vous vous en tirerez pas comme ça. Ça finit toujours mal. Occupe-toi de ton cul, tu veux? Si tu veux voir ta fille grandir, tu gardes bien les mains en évidence. Et tu dis au gardien de faire pareil. N'oublie pas, quand on arrive près du gardien, tu lui dis de lâcher son arme. Pigé ?
Écoute-moi, attentivement. Tu vas bien lentement poser ton... Tuez-le, les gars! Allez, tuez-le! La clé du coffre est sur la table. Ne tuez personne d'autre, à moi. Pitié! Jésus-Marie-Joseph. Arrête de chialer! Oh bordel! Et les flics sont là! On se tire. Prends le fric, on s'arrache. Faut semer les flics! Y'a des renforts en approche! Derrière toi! Je recharge! Annuler les recherches. Et maintenant, les patrouilles. Au Palermo Club. Au club de Sam? Bah, il est vide pour l'instant. Vu qu'il est pas au courant, il risque rien.
On y est presque, Tom. On a presque réussi. Tout est dans le presque. On aura vraiment réussi quand mon cœur aura retrouvé un rythme normal. On a réussi! Putain, je le crois pas, on a réussi! On est riche! On est plein aux as! Ouais. Allez, on arrose ça. Ah, ouais. Faut qu'on y aille. On se voit demain. Sauf si je suis déjà à Hawaï. Allez, je déconne. Et sans toi, j'y serais pas arrivé, j'en suis sûr. Rentre chez toi. Fais la fête avec Sarah. Viens chez moi demain matin, on partagera le fric. Ouais, ça marche. Fais gaffe à toi. À plus tard, mon pote. Regardez qui voilà. Jésus est finalement ressuscité. J'étais pas loin d'appeler les secours. Désolé. J'ai eu du mal à m'endormir, c'est tout. Ouais, moi aussi. Vu que t'arrêtais pas de tourner et de te retourner. Bon, qu'est-ce qui te prend ? Rien. Je mesure ma chance. Ça, tu peux le dire, champion. J'étais en train de réfléchir. Ah ouais? Ah bah ça, c'est nouveau. Non, je réfléchissais et j'irai bien à la mer avec toi et la petite. T'es sérieux? Et ton boulot? Polly et moi, on a trouvé un tuyau. Un de ces plans pourris a finalement donné quelque chose? Ouais, on peut dire ça. Prépare les affaires. Je vais chez Polly et je reviens vous chercher. Qu'est-ce que tu me caches, Tommy? Rien. C'est ça. Toi et Polly, vous êtes tout d'un coup plein aux as et tu veux qu'on se mette au vert quelques jours. Je trouve ça louche. À quoi ça sert de faire du fric si on peut pas le dépenser? C'est pas ça. Tu tiens pas en place. Même quand t'es immobile. Ouais, y a un truc qui te rend nerveux. Mais le pire, c'est que tu sais pas encore ce que c'est. Ouais, ça doit être ça. Tu ferais bien de trouver ce que c'est avant d'arriver chez Polly. Surtout si c'est lui qui te rend nerveux comme ça. Non, c'est pas Polly. T'en fais pas pour ça. Bon, alors à tout à l'heure. Encore là?
Dieu, tu me protégeais. Ce quartier part complètement en couille. Qu'est-ce qu'il a à ta porte ? J'aimerais bien le savoir. Eh, dis donc, t'as entendu le bordel la nuit dernière ? Ah, je passe de nuit en ce moment. Le type du dessus a fait un boucan pas possible. Ouais, encore. Polly ! Sam, c'est moi. Cet homme. Et Polly, il est où ? Il est... Il est mort. Il est devant moi, étalé dans le couloir, 2 balles dans le crâne. Oh merde ! Je voulais l'appeler pour le prévenir. Le prévenir de quoi ? Putain, les gars. Tous les deux, vous m'avez sauvé la vie plus d'une fois. Le prévenir de quoi, Sam ? Salieri. Il est au courant pour le hold-up. T'es dans la merde, Tom. Il faut que tu mettes les voiles. D'accord. Ok. Je vais avoir besoin de fric pour foutre le camp avec les filles. Tu pourrais me dépanner ? Bien sûr. Tout ce que tu veux. Est-ce que tu veux que je vienne chez Polly ? Non. Non, je peux pas attendre ici. On peut peut-être... On peut se retrouver au musée. Bon, d'accord. Fais gaffe à toi, Tom. On se voit très vite. Et Merci, Sam. J'honore toujours mes dettes. Tu
bien. Polly, faut que j'y aille. Je suis désolé. Je vais appeler les flics. Il y a un truc qui est pas net. Quelqu'un a dit que ça ressemblait à des coups de feu. Merde. Bouge pas, Tom. Salut, Tom. Sam. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Toi et Polly, vous m'avez mis dans une position merdique. Je sais, Sam. J'en suis vraiment désolé, mais faut que je me tire de la ville. Tu vas m'aider ou pas? Et voilà, ça recommence. Tu me demandes de choisir entre mes potes et la famille. C'est ça que tu cherchais à l'appartement de Polly. C'est ta part. C'est plus que généreux. Ça. Tu l'as buté. T'as tué Polly? Non. Ce comte Polly s'est fait tuer. Mais ça a vraiment l'air de te foutre en l'air. Je suis de bonne humeur, qu'est-ce que tu veux? Ouais. Les choses se présentent bien entre moi et le Don. Je prends du galon. Et en plus, je viens de trouver un sac plein de fric. Le Don est au courant pour Frank. Et pour la pute aussi. La pute? La fille pour qui t'avais un faible? C'est toi qui l'as laissé vivre. Je dois te dire que je suis désolé pour tout ça. Mais dans notre business, il y a des règles. C'est vraiment dommage. Don Salieri, t'aimais beaucoup. On va beaucoup chialer, lui et moi, à tes funérailles. En obéissant au Don, tu crois que t'es loyal. Mais tu l'es pas. T'as juste peur. Peut-être. Mais t'aurais vécu bien plus longtemps, Tom, si t'avais pensé à regarder derrière toi de temps en temps. Adieu. Le faites pas souffrir, les gars. C'est mon pote. Par ici, tout de suite.
ennemi qui lui colle une balle. C'est Sam. C'est que du business, Tom. Je pense que toi, plus que quiconque, tu peux comprendre ça. Plus personne va crever aujourd'hui, Tom. Seulement toi. Refroidissez-le. Ça va me manquer, nos conversations au bar. Ah, pas à moi. Espèce d'enfoiré moralisateur. Quand tu baises le boss, c'est nous tous que tu baises. T'es un mec réglo, Tom. Un mec vraiment réglo. Dommage. Thank you.
Je t'emmerde, connard! Tu fais la même chose pour moi, Tom! Qu'est-ce que je raconte? Je sais que t'as fait la même chose! Bon, arrêtez de rigoler, les gars! Butez-le! Alors, c'est tout ce que t'as ? Non, c'est trop pour finir ! Salieri, il nous a tous roulés ! Quoi, peut-être ? Mais moi,
Je sais où sont mes intérêts. Envoyez un Molotov. Te tiens. T'as du bol, Tom! Mais ce qui est bien avec le trafic de drogue, c'est qu'on peut se payer plein de types! Butez-le, les gars! Cette fois, il n'y aura pas de docteur pour toi, ça. Si tu me tues maintenant, le Don ne te lâchera pas. Jusqu'à la fin de ta putain de vie. Mais si tu me laisses vivre, je dirai à Salieri que t'es mort. Tu pourras disparaître. Comme Franck. Seulement, tu feras pas comme lui. Tu resteras planqué. D'accord? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il se planquait en Europe. Mais ce crétin, il a commencé à parier dans des courses de livriers. Il s'est fait repérer par un ami de la famille. Et donc, Salieri, il a envoyé une équipe. Et sa famille? T'y arrives pas, hein. Y a toujours cette petite voix dans ta tête. Une voix qui ressemble à celle de ta fille, ou de Sarah. Et qui te dit de pas appuyer sur la détente. Et du coup, t'arrives pas à te décider. Plus tu parles, enfoiré, moins je l'entends, cette petite voix. Ah.
On se sera bien marré quand même. Tu te souviens de la fois ? Moi, toi et Pauline. Je comprends bien ta situation et je veux bien aider ta famille, mais je peux rien faire si t'es pas prêt à témoigner devant le juge. Tu comprends ce que je veux te dire? Faudra que tu sois assis dans le box à regarder droit dans les yeux Salieri, Ralphie, Vinnie et peut-être même le père de Sarah. Je pense pas que tu sois prêt à faire ça en toute honnêteté. Je ferai le nécessaire. Il faut que vous donniez à ma famille de nouvelles identités et qu'ils partent très loin d'ici. Oh, attends. C'est pas parce qu'on a papoté ici, toi et moi, qu'on peut mettre Sarah à l'abri en un claquement de doigts. Alors je suis désolé de t'avoir fait perdre ton temps et le mien. Faut que je disparaisse. Tom, attends. Moi aussi, j'ai une famille. Une femme. Et 4 gosses. Toute une portée. Ouais. Donc je comprends parfaitement ta situation. Je sais. Tu te ronges les sangs pour eux. T'as peur que l'un d'entre eux crève avant toi. Mais cette affaire, ce sera sûrement le coup de filet du siècle, si du jamais vu. Ça pourrait s'étaler sur des années, et je sais pas si je peux vous protéger aussi longtemps. Tu sais comment ça se passe en ville. Faut bien bouffer, pas vrai? Même les flics ripoux. Je préfère être honnête. Il y a quelques flics de confiance dans le centre, mais pas beaucoup. Et si je dois choisir entre toi et moi pour prendre une balle, j'ai pas prévu de faire de ma femme une veuve. Et te garder en vie est pas tout en haut de ma liste, mais je vais essayer. Pas mal, ton petit discours. T'essayes de me faire avaler que t'as rien à gagner dans l'affaire? Mais c'est toute ta carrière qui se joue. Quelle que soit l'issue pour moi, que je vive ou pas, toi, tu seras le flic qui a bouclé l'affaire Morello et coincé un Don. Salieri sera ton trophée. Va pas croire que tu me connais, Tom. Salieri mérite de croupir en tôle, et je veux bien t'aider tant que tu m'aides à le foutre à l'ombre. Ça s'arrête là. Dans ce cas, on y va. Il y a bien longtemps, dans une autre vie, quelqu'un m'a dit un jour que la famille, c'était un talon d'Achille. Le point faible d'un homme. Il avait peut-être raison. Parce que tout ce que j'ai fait dans ma vie, en bien comme en mal, je l'ai fait pour ma famille. J'ai trahi des gens que je pensais être mes amis. J'ai honoré des promesses très dures à tenir. J'ai passé 8 ans à être seul. J'ai essayé de me trouver pour qu'à mon retour, je sois un meilleur mari. Un meilleur père. Un homme meilleur. Maintenant que je suis plus âgé et un
un petit peu plus sage. Je comprends que la famille, c'est notre plus grande faiblesse. Mais c'est aussi notre plus grande force. C'est elle qui nous fait sortir du lit le matin. C'est elle qui nous fait rêver, même quand ses rêves sont insaisissables. Et c'est elle qui nous permet de tenir bon quand on n'arrive plus à avancer. Monsieur Angelo ? Oui. Monsieur Salieri vous envoie ses amitiés. Tommy ! Ça va aller. Vous êtes à l'abri. Vous êtes tous à l'abri. Vous savez, l'argent, le boulot, même les meilleurs amis, ça va, ça vient. Mais la famille, c'est pour l'éternité.